peut réceptionner en fait. On a notamment le F-Tilt qui est une bonne allonge. Et en fait, ça peut permettre de zoner un petit peu des approches trop téléphonées avec ce side B. Donc il va falloir être prudent du côté de Torrent, pas trop se précipiter sur ses déplacements. Mais ça devrait le faire, je pense, pour les deux joueurs qui... En vrai, le match-up, il est obscur, quoi. Il est ténébreux. J'osais pas le dire, hein, mais ni toi ni moi le connaissons, quoi. Bon, on va voir. Et effectivement, on va partir sur Smashville pour cette première game, du coup, de ce tour 1 ou 2, ça doit être. En tous les cas, c'est parti. Et effectivement, qui dit banjo, dit projectile. Ouais. Mais ça, c'est du bear. Ça, j'aime bien qu'on fait des petites échelles, là. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose Bear avec son petit ladder avec le neutral B, ça passe plus trop bien. Et 66%, grosse phase d'avantage pour l'instant pour Bear qui sort très très bien. Effectivement, là 66% de bien mis et il continue. Pour l'instant vraiment Torrent qui n'arrive pas à rentrer dans son jeu. Il se prend tous les projectiles, le match est à distance. Bah frérot, tu vas où? Bon ça va, petite erreur de parcours ça. Ah bah c'est 14%, dommage. Bah on se fait, du coup on est au coin. Ouais on est au coin, bon ça on arrive à sortir mais tout de même... J'ai eu très peur. Mais oui, effectivement, on a fait une petite erreur ici, c'est pas grave. On est vite reparti. Bear qui est, j'ai l'impression, très chaud. Il a failli prendre un gros smash là. Bear, il est vraiment très patient. Il nous propose le très carré. On a failli avoir la conversion avec le Wonder Wing là-dessus. Ça aurait été parfait. Oh. Le forward air, bien vu ça, pour anticiper l'approche de Torrent qu'on balance la grenade. Torrent qui est totalement étouffé par le jeu de projectile de Bear. Et ça peut revenir, on va essayer de tout frame. Ça ne passera pas. Peut-être une phase de trap pour Bear. Non, on se repositionne grâce au side B. Mais attention, ce side B peut être sanctionné par Bear s'il est actif, s'il est au taquet. Et il est au taquet depuis tout à l'heure, hein, Bear. Donc il va falloir être très prudent pour toi et creuser ce comeback petit à petit. Ouais, le seul truc qui commence à me faire peur, c'est que là, on a beaucoup de pourcentage, on a beaucoup de rage également. Et c'est vrai que Bear essaye de... Okay. Je n'avais rien entendu. Ouais. Bear a pris la stock de manière très convaincante, sans se faire reverse. Très bien joué de sa part. Ouais, bonne dash attaque là de Bear, on s'est un petit peu laissé surprendre par Torrent, que la DI était hasardeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais Bear qui peut repasser à l'attaque, peut-être avec ce combo de la danse, ça ne passera pas. Et on esquive encore une fois side B. Par contre, ça c'est un mix-up assez connu des Bowser Junior. On fait side B derrière, on saute back air pour essayer d'anticiper la punition de l'ennemi. Et ça a bien marché là pour Torrent. Par contre, il est en train de prendre la purée à nouveau par Bear. Et Bear qui continue à passer à l'attaque. Le neutral air qui va connecter, on essaie de trouver un follow-up avec le B du coup qui va récupérer avec le trampoline. Neutral air encore une fois pour couvrir. Bear qui est vraiment on fire sur cette phase, la grenade qui connecte. Mais Bear a toutes les options dans cette game. Bear nous fait une masterclass au ledge. Mais Bear, je sais pas ce qu'il lui a fait Torrent, mais en tout cas ça devait être très violent hein, parce que là il se... Oh wesh. Oh c'était bon, mignon. C'était très joli, j'ai apprécié, c'était séduisant, ça m'a ému. Dans tous les cas, on est à 95%, on est vraiment dans le mal à côté Torrent. Il se prend absolument tout, vraiment Bear qui joue trop bien. Frère. Il est partout, il est trop chaud. Mesdames et messieurs, Bear qui est on fire est avec chaud. Son banjo kazooie. Il est trop chaud. 113%, il est pas perturbé depuis tout à l'heure, il a tout, il fait très très bien ce qu'il faut faire là, Bear, là-dessus. On va essayer de trouver la tech chaise avec la dash attack, pardonnez-moi, ça ne passera pas. Mais on continue la phase d'avantage, Torrent qui ne sait tout simplement pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut? On va même se prendre Wonder Wing, on a encore deux Wonder Wing hein. Le match est on depuis 3 minutes, on a encore deux Wonder Wing pour Bear. Je sais pas si vous vous rendez compte de la facilité qu'il a tué sans Wonder Wing. Et ça y est, Torrent qui trouve l'ouverture du score, mais il a encore fort à faire. Ouais, et il y a encore 10 Wonder Wing disponibles actuellement là, donc effectivement, il y a de quoi en utiliser quelques-uns. Par contre, okay. Oui, ça c'est pas safe, attention, ouais. 70%. Ouais, ça fait très mal. Très mal. 70% sur la upscrow là-dessus, Torrent qui sanctionne cette Wonder Wing de la meilleure des façons. Et du coup, Bear qui est un petit peu dans la tourmente, peut-être il va falloir faire attention, mais non. Parce que ce side B, évidemment, il bat tout. Et c'est une meilleure option de mobilité que ce side B de Bowser Jr. Ouais. Et là, vraiment, on a Bear. Il n'y a plus grand-chose à faire là pour trouver la première game. Oh, oui. Il surabuse de ses plumes. Il a raison en même temps. Hein, vraiment, si elles ne sont pas utilisées, elles ne le seront pas du tout. Donc, il faut qu'il fasse de son mieux pour trouver ça. Bon backer ici. On va pas encore tout. On est à 150%. La Torrent qui a plus vraiment le droit à l'erreur. Ouh là là, c'était osé. C'est passé sans trop de mal. Mais là, vraiment, Bear qui accuse. Plutôt Torrent qui accuse d'un gros retard. Ouais, effectivement, Torrent qui est dans la tourmente. Là, est-ce qu'on peut trouver un ledge trap? On a encore l'explosion là-dessus. Non, ça ne passera pas. On tente ledge trap, la dash attack qui ne passe pas. On essaie de punir avec un gros smash et on va dasher dans ce forward air. Bear serein, Bear tranquille, 130% sur sa deuxième stock. On a été en maîtrise toute la game. Mais Torrent commence peut-être à comprendre petit à petit comment affronter ce banjo. C'est vrai que le début était expéditif. Je sais vraiment pas ce qu'ils se sont dit avant d'arriver, mais ça a pas dû plaire à Bear.
pas facile celle-là. Ah non mais elle est pas évidente, plaire à Bear. Non mais ouais, plaire à Bear, voilà, c'est tout pour moi, j'ai tout donné, ça a raté, bon voilà, on s'est pris une fois, on veut pas être bon partout, on essaye. C'est l'important, c'est de participer, comme on dit. Tout à fait. Ouais. L'important, c'est de faire acte de présence, au moins. Au moins, au moins, au moins. Tandis que on va partir sur un PS2. Alors là, ouais, ça m'étonne un petit peu parce que PS2, Banjo. Ça me surprend pas tant que ça. Ah ouais. Étant donné que je pense qu'en fait, ça permet de laisser plus d'espace au Bowser Jr. Et ensuite, il peut vraiment utiliser à fond son side B. Il s'en est bien servi. C'était vraiment ce qui fonctionnait bien dans la première game. Pour lui, d'accord, il arrivait à trouver des mix-up avec un jump et un back air parce que Bear était peut-être un peu trop agressif sur ses punitions. C'est quoi voir si Torrent peut exploiter sa mobilité au maximum. On va voir. Effectivement, là, c'est vrai que pour le coup, on a de la place, on a beaucoup d'espace. C'est le terrain le plus grand du jeu, on le rappelle, côté des plateformes centrales en tout cas. Et c'est parti, effectivement, et c'est Bear qui reprend les hostilités dès le départ. Upper, on a déjà fini 60%. Bon, très agressif du côté de Bear, 60%. 59% même représente le nord, la région lilloise. Bien vu de la part de Bear. Et par contre, Torrent qui répond bien. Si on se laisse pas autant étouffer que la game d'avant. Ouais, et voilà, je t'en parlais, hein, de PS2 qui était plutôt pas mal pour permettre de prendre la distance et de jouer de sa mobilité. Pour Torrent, on est moins étouffé sous les projectiles que sur Smashville. Et pour le coup, c'est vrai que, comme tu dis, Torrent se sent bien mieux. Dommage. Pourtant, on avait le temps de le voir ici. Et effectivement, Torrent qui n'a pas maintenu le shit jusqu'au bout. C'est bien. Ah oui. Oh, ça c'était très bien. Excellent. Très bien. Excellent de la part de Torrent ici. Le bon smash anglé vers le bas là pour réceptionner ce B de la part de Bear. Effectivement, Torrent qui reprend les devants. Ça y est, il fallait juste prendre une bonne game pour download. Ouais, voilà, Torrent qui a réussi à comprendre un petit peu le jeu de Bear. Là, on trouve un kill assez tôt. On rappelle le forward smash. Ah bah oh, oui, là. Le confirmé propre. Confirmé propre de la part de Bear. Vraiment, il a mis 2-3 petits œufs et hop, gros up tilt, grand pied dans la bouche. Hein, c'était un mini up tilt de Snake après tout. Hein, mais, oh, ça fait deux fois. Il a plus tôt. Ouais, il a plus tôt. Il est mort. Aïe, aïe, aïe. Erreur d'exécution. Ça, c'est malheureux de la part de Bear. Sideway sur le côté, on voulait peut-être faire quelque chose d'autre. J'imagine un reverse neutral B, sans doute. Ou reverse down B, ils font souvent ça les. Oui, d'accord. Ouais. Okay, ouais. Ils font souvent les banjos, ils font. Je pense, hein, on me corrigera bien sûr, mais il me semble. En tout cas, c'est dommage, ça fait déjà deux fois que c'est raté. Et là, pour le coup, ça a vraiment fait mal. La première fois, ça allait, là ça fait vraiment, vraiment fait mal. On a vraiment beaucoup moins le droit à l'erreur, on a plus qu'une stock déjà pour Bear. Ouais, effectivement, on a plus qu'une stock pour Bear qui a du coup pris un peu la purée là grâce à cause de sa SD malencontreuse. Torrent qui peut continuer à creuser son avantage là-dessus. On a la grenade qui a récupéré Bear qui essaye de contester, mais on rappelle qu'on tape dans le clown card, ça n'interrompt pas la charge, il faut bien et bien taper la tête du pilote. Oui, tout à fait. Ça c'est une petite particularité du match-up qu'on connaît pas forcément. Et là Torrent qui joue vraiment beaucoup mieux. Ouais. Dommage ici encore une fois. On se fait avoir par son Wonder Wing, mais en dehors de ces quelques Wonder Wing que Bear met plutôt bien. Torrent, là on le sent, il bouge mieux effectivement. L'espace supérieur en plus l'aide grandement à bouger, à esquiver, à se mouvoir autour de ce banjo qui a l'air légèrement plus en panique là que sur la première game où il avait pas grand chose à. Non. Non, oh, bah, si. non. Ah bah si. Là c'était vraiment deux erreurs qu'on punira bien fort. Ouais, là on s'embête, il se tient la tête. Ouais. Bah là il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir effectivement, mais c'est pas grave. Il y a une game 3, il y a une SD malencontreux, derrière, on se fait avoir par le no mix-up. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde n'importe quand. Hein. Exactement. Donc vraiment, c'est juste pas de chance. Ouais. Et là par contre, c'est vrai que je suis étonné du kill power du Down Smash. Ah, des grosses boules. C'est monstrueux. Ça tue très bien Bowser Jr. globalement. C'est un perso qui fait très mal. Il faut juste trouver les coups parce que la frame data est pas forcément au rendez-vous. Et les hitbox non plus sont pas très très. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu les trouves, là on l'a vu au début du. Au le début smash. Du match, on a vu des grands uppers là qui ont mis 60%, 71 même à la fin, donc bon damage output. Et c'est vrai que quand tu prends le smash, le side B, même le up B, le coup de marteau. Le marteau, le marteau fait mal. Il faut faire attention à ça au ledge. Hein. Quand vous êtes au ledge contre. Quand vous êtes en train d'être guard, un Bowser Junior, faire attention parce qu'en fait, il peut remonter sur le stage, passer derrière vous et mettre un coup de marteau qui fait extrêmement mal. Ouais. On l'a vu tenter une fois, il me semble, mais ouais, vraiment là, il était à 80. Ouais. Bon, après 84, dans ma tête, il était vraiment moins que ça. 84, en vrai, ça me semble logique, là, comme ça. Donc bon, on va voir. On va voir comment on s'en sort pour la game numéro 3. On garde toujours Morton, bien sûr, et Banjo et Kazooie de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas vu le stage non plus. Est-ce qu'on retourne sur Smashville? Je ne sais pas, c'est et bah, pas ce du tout. Small BF, ok. Ouais. Small BF, choix de Bear. Je pense que c'est un choix intéressant.
vu qu'on avait vu sur Smashville qu'il arrivait vraiment bien à étouffer Thorin sous ses projectiles, avoir un peu là vu que la map est assez petite, assez resserrée avec les plateformes. Est-ce qu'on peut trouver encore une fois une nuée de projectiles pour empêcher ce buzzer de, ce Morton. Morton, effectivement, c'est son nom, hein, son vrai, son seul, son unique. Et effectivement, là, eh bien, les deux joueurs, ils savent comment jouer, ils savent comment gagner contre l'autre. Maintenant, eh bien, il faut trouver les ouvertures, il faut outplay un petit peu, faut être surprenant et il faut tout donner pour l'emporter. Ici, vraiment, c'est un peu serré tout de même. Les pourcentages se tiennent. Oh, bien vu ça. On a puni le F-tilt là. Avec une bonne Wonder Wing. Ou attention, cette Wonder Wing, encore une fois, on passe dehors. Est-ce qu'on peut se faire avoir par Thorinck? Pas mal. Ouh, oui, la belle conversion trouvée par Bear. La grenade forward air, on met beaucoup de dégâts. Mais Thorinck qui passe à travers les projectiles. Il passe au milieu du champ de bataille. Ouh, la grenade, oui, par contre, ça, il passera pas. Ça, il y coupera ça, pas, cette oui. Wonder Wing. Bien vu de la part de Bear. On tank la grenade et on passe. On va récupérer la première storm. Non. Oh, est-ce qu'il peut. Non, il peut pas revenir. Il avait pas de B. Terrible, allez Bear, ça fait beaucoup de SD là quand même. Ah, ça fait beaucoup. Ouais, et 2-3 stocks sur un BO3, ça fait quand même énorme au final. Ça fait beaucoup, mais il faut que Thorinck il utilise cette opportunité, hein. Il faut qu'il s'en serve, il s'en est bien servi sur la game 2, il faut qu'il fasse la même chose là-dessus, on essaie de l'attraper avec le up B, c'est plutôt bien vu, la marmite, hein, comme on l'appelle. Ouais, ça explose, ça fait mal. Ça combo avec le marteau d'ailleurs, ouais. si c'est bien fait. Par contre là, la bonne phase encore une fois, vraiment le combo game de Bowser Jr. de Morton, là, en fait, il est vraiment, vraiment sous-estimé en général, il fait super mal le personnage. Très bon jeu de juggle, attention là par contre, c'est le tour de ring qui était pif et c'est sanctionné par le bon aerial de Thorinck. On a encore l'avantage positionnel. Bear est forcé d'approcher, mais il a du retard un petit peu au pourcentage. Mais ça y est, il arrive à gratter tant bien que mal avec ses œufs et ses grenades. On remonte petit à petit, mais Thorinck est toujours le maître des lieux sur ce small battlefield. Il est toujours en maîtrise du stage. Mais là ça y est, Bear trouve l'ouverture, on va pousser Thorinck au ledge. Mais Thorinck qui se repositionne une fois de plus et on reprend le contrôle de terrain. Oh là là, ça s'échange les coups. Il y a vraiment Bear qui nous propose un jeu de projectiles très bien fait, très intelligent, très audacieux aussi par moment. Et de l'autre côté. Oh, ça va tuer. Juste pas. Ouais, vraiment t'étais pas. Oh, ce sniper. Cible localisée. Terminé. Il s'est dit ok, d'accord, le jab n'a pas tué, parce que c'est vrai que mine de rien, Banjo c'est plutôt lourd, c'est vraiment pas un poids plume. Il n'était pas collé au ledge non plus. Ouais. Donc on a survécu, par contre derrière, on a eu la bonne présence d'esprit de venir balancer le projo en pleine face, et du coup on prend la stock logiquement. Pour Thorin qui a très bien effectué cette phase de jeu, attention, on est parti pour la combo up et on va perdre les strings, ça fait 63% avec un starter à l'autre bout du terrain, c'est plutôt bien trouvé de la part de Thorin. Oh, la conversion de Bear, elle non, est la DI. Mais la DI est parfaite de la part de Thorin et. Encore une fois, Bowser Jr. qui est pas bien léger comme personnage. Attention à la phase, ça peut se reverse, ça peut être très dangereux pour Bear. Extrêmement dangereux comme tu le dis. Oh, j'ai eu trop peur, le smash il aurait tué 100%. Okay, ça tue. Petite ça tue. Allez Bear, 86%. On est last game, on est last stock, on a 100% de retard. Est-ce qu'il le fait? Est-ce que Thorinck va juste sécuriser sa game 2? Parce qu'on rappelle qu'il vient d'un 1-0, hein, donc vraiment d'un 0-1. Donc là, est-ce qu'il va pouvoir sécuriser le reverse des 0? Est-ce que Bear va pouvoir s'assurer la victoire? La réponse dans quelques instants. Pour l'instant, on est vraiment sous pression de la part de Bear là. Ouais, on essaie de gratter encore une fois avec ce jab, on passera pas à travers cette fois-ci, on a bien tapé le pilote du côté de Bear, et Bear qui gratte mine de rien, mais Thorinck qui reste sur sa vue, attends, ça va retomber ce boulet, oui c'est bon, on l'esquive du côté de Bear, le headshot qui peut passer, on récupère l'explosif là-dessus, est-ce qu'on peut trouver un grab? Non, l'explosion de la grenade qui mettra Thorinck dans une position désavantageuse. Bear qui reprend sa grenade, on essayait de gratter encore une fois avec les projectiles mais on n'y arrive pas, ça y est, on trouve l'explosion et on arrive peut-être à trouver un ledge trap pour Bear. Wonder Wing, ça va être puni, bien sûr. Bien sûr que c'est puni, il a tenté plein de fois, c'est jamais passé. Malheureusement Bear qui s'est accroché à son idée, ça n'a pas marché du coup, donc 2-1 pour Thorinck du coup qui nous fait un joli reverse 2-0. C'est vrai que Bear